à tous, c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour une nouvelle étude. Aujourd'hui, nous vous proposons une étude sur un témoignage impulsé par l'esprit. Pendant tout ce trimestre, on parle témoignage, partager avec les autres notre foi, faire des connaissances, lier des liens. Et le Saint-Esprit dans tout ça, quelle est sa place? Comment est-ce qu'il nous aide? Alors pour parler de ce sujet, ma foi fort important, j'ai la chance d'être accompagnée de deux collègues, le pasteur Jethro Camille, bonjour, et le pasteur Mathieu Fury. Bonjour Élise. Bonjour Mathieu. J'espère que vous allez bien tous les deux. Avant de commencer à parler de ce sujet, je vous propose qu'on puisse prier ensemble. Jethro, est-ce que tu voudrais bien prier avec nous? Quelle joie, Seigneur, de retrouver mes deux amis Élise et Mathieu, et que nous puissions être inspirés par ton esprit, précisément pour ce thème tellement important. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Alors, le Saint-Esprit, on le trouve un peu partout dans les actes. J'aimais bien ce que proposait l'étude de dire, on devrait appeler ça les actes du Saint-Esprit. Mais alors, pour moi, on devrait dire les actes des apôtres inspirés par le Saint-Esprit. Mais ça ferait peut-être un peu long comme titre. Mais justement, est-ce qu'on peut peut-être lire un texte biblique qui va nous parler de ce Saint-Esprit? Mathieu, est-ce que tu voudrais bien lire le texte de Jean 16, les versets 7 et 8? Jean 16, versets 7 et 8. « Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Merci. Donc c'est ce texte où Jésus annonce la venue du Saint-Esprit tout particulièrement auprès des disciples. On le voit d'ailleurs dans le début des Actes. Il y a ce moment où ils sont ensemble, ils prient, il y a une manifestation physique du Saint-Esprit avec ses langues de feu. Ma première question, ce serait, c'est magnifique ce qui s'est passé là pour les apôtres. D'ailleurs, on a vu des résultats derrière. Mais pour nous aujourd'hui, personnellement, ça fait 31 ans que je fréquente des églises parce que j'y suis née. Je ne crois avoir jamais vu de langue de feu descendre au milieu d'une assemblée. Est-ce qu'on doit attendre la manifestation du Saint-Esprit avant de se lancer dans des projets de témoignages, d'évangélisation, de partage de notre foi? La question est de savoir comment se manifeste le Saint-Esprit. Alors c'est vrai, il peut se manifester de manière très extraordinaire, la preuve, mais ça reste quand même plutôt rare. Et il me semble que, comme le disait Jésus, on observe la présence du Saint-Esprit par ses effets. Et donc l'un des premiers effets de la présence du Saint-Esprit, c'est justement le témoignage, c'est justement l'activité, c'est justement la prise de parole. Et lorsque le Saint-Esprit s'est manifesté ici, c'est vrai qu'il s'est représenté lui-même par des langues de feu, c'est vrai que le vent a soufflé fort dans la pièce, mais l'important, ce n'est pas ça, ce n'est pas le phénomène visuel, ce n'est pas non plus l'effet du vent sur la peau des gens qui étaient présents, mais c'est ce qu'ils ont entendu à ce moment-là. Donc ce qui est important, c'est comment l'Esprit se manifeste. Et il me semble que le témoignage en soi est une manifestation du Saint-Esprit. Donc à partir du moment où j'ai la volonté de témoigner, à partir du moment où j'ai la volonté d'agir pour faire connaître le Dieu que je sers, pour vouloir tout simplement le bien de mon prochain, je crois que le Saint-Esprit est fortement à l'œuvre. D'ailleurs, juste dans le chapitre qui précède, au verset 26, nous lisons ceci, donc c'est bien le chapitre 15, verset 26, « Quand sera venu le Consolateur, c'est ainsi qu'on l'appelle, parfois aussi le défenseur ou le paraclet, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Voilà, c'est ça qui importe. Il n'est pas dit qu'il vous décoiffera ou qu'au contraire, voilà, il vous fera transpirer parce qu'il apportera une chaleur extraordinaire. Je crois qu'il aurait du mal à me décoiffer en ce qui me concerne. Ceci dit, je voudrais bien reprendre ce texte que tu as évoqué dans Jean 3, verset 8. Je prends à partir du verset 6. « Ce qui est né de chair est chair. Ce qui est né d'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau d'en haut. Le vent souffle
où il veut, tu l'entends, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Et derrière cette notion de manifestation du Saint-Esprit, notamment le témoignage, il ne faut pas oublier que derrière la manifestation, il y a une intention. Et en amont de l'intention, il y a une intelligence. Et en amont de l'intelligence, ben, il y a une personne qui est Dieu, qui s'adapte, qui affine ses outils, qui joue avec les circonstances, qui est capable d'un mal d'en tirer un bien. Et quand on n'oublie pas cela, alors on se rend compte qu'il n'y a pas de mode opératoire prédéfini du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que ça n'est pas une mécanique, ça n'est pas quelque chose qu'on peut résoudre dans dissoudre dans quelques formules et dans quelques lignes de commande comme programme. C'est Dieu. C'est Dieu qui vient parler au cœur de l'homme et qui va mouvoir l'homme une fois à droite, une fois à gauche, comme il est dit dans Jean chapitre 3, et dans telle ou telle modalité, avec tel ou tel objectif. Cela nous rend beaucoup plus humbles et beaucoup plus prudents, évidemment, par rapport à cette évocation du Saint-Esprit. Et puis surtout, je crois que ça nous rend beaucoup plus libres. Moi, je me souviens de l'époque où j'ai appris à écrire. Oui, vous le croirez peut-être pas, mais j'ai appris à écrire avec des plumes et un encrier. Tu as connu ça aussi, peut-être, Mathieu ? Au tout début, oui. Ou au tout début ? On doit être à peu près la même génération. Désolée. Et donc, voilà, il fallait... Il y a toute une procédure à faire pour écrire. Voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas écrit une vraie lettre à la main. Je l'ai fait il y a peut-être un an. Mais une vraie lettre à la main, mais l'intention est la même. Les outils ont changé. L'intention est la même. Voilà, les modalités peuvent changer. Et il en va de même, je crois, avec le Saint-Esprit. Et heureusement, ça nous ouvre des champs du possible. J'aime bien représenter le Saint-Esprit comme une main et l'être humain comme un gant. Alors c'est vrai qu'on pourrait penser que le gant n'a aucun rôle à jouer, mais pour dire que finalement le Saint-Esprit n'agit pas pour se montrer lui-même, il agit à travers nous. C'est ça que je veux exprimer par cette image. Il agit à travers l'humain et dans l'humain. Il est la motivation de l'humain en fait. Et donc l'Esprit est là où l'homme se meut justement, où l'homme prend des décisions, où l'homme agit, où l'homme manifeste une intention. Alors justement, vous parlez d'agir, d'intention, d'action conjointe entre le Saint-Esprit et l'être humain, d'une espèce de partenariat. Mais ça arrive que dans des églises ou au niveau personnel, on se lance dans quelque chose pour Dieu, de témoignage, et ça marche pas. Et ça fait un vrai flop parfois. Est-ce que ça veut dire, si ça ne marche pas, que le Saint-Esprit n'était pas là, qu'on s'est monté la tête tout seul, on est parti dans quelque chose, et puis, Dieu n'était pas avec nous dans cette histoire-là. Si Dieu était avec nous, ça devrait marcher. En tout cas, dans les actes, on voit bien que quand le Saint-Esprit est là, tout d'un coup, tout fonctionne, alors... C'est vrai qu'on est imprégné de cette culture qui est la culture du résultat. On mesure la valeur d'une action, d'une intention, à ce qu'elle produit. Et donc là, on est tenté de se décourager quand, après avoir agi avec l'aide du Saint-Esprit, c'est ce que nous supposons en tout cas, rien ne se passe. En tout cas, on pense que rien ne se passe, on ne constate aucun effet tangible. Eh bien, précisément, il y a un passage qui illustre très bien cela dans la Bible, c'est Hébreux chapitre 11, où il y a des gens qui sont des témoins de Dieu, dont certains ont fait des actions extraordinaires, qui ont brillé par des résultats tangibles. Et puis d'autres comme il est dit, ont été errants, vêtus de peau de mouton, opprimés, maltraités, eux dont le monde n'était pas dit. Alors je ne lis pas tout le passage, mais j'invite chacun à le lire à la fin de Hébreux 11. Et si on devait mesurer la spiritualité et l'action de l'esprit de ces gens-là à l'aune de leurs résultats, bien on les considérait comme des impies, hein, comme des païens que Dieu a frappés, a maudits à cause de leur impiété précisément. Or, il est dit que Dieu avait pour eux quelque chose de supérieur. Il avait une meilleure récompense pour eux. Et l'esprit fonctionnait à plein régime dans ces gens-là. Donc, nos standards d'évaluation ne sont pas mauvais, il en faut. Mais il faut bien se rendre compte que ça n'est jamais que la manière que nous avons d'appréhender. Ils ont leurs limites. Ils ont leurs limites. Je crois qu'il faut aussi accepter que... Je vais prendre mon exemple propre. En fait, pendant toute mon adolescence... L'idée de l'existence de Dieu me travaillait.
Et je pense que le Saint-Esprit travaillait en moi. Et petit à petit, avec ma pleine et entière collaboration, faisait tomber les obstacles. Mais c'était presque invisible. Et puis, un beau jour, à la fin d'une expérience que je ne vais pas raconter maintenant, boum, je suis devenu croyant. Mais devenir croyant, ça a été un processus. Et puis, je suis encore quelque part dans ce processus-là. Il y a d'autres barrières qui tombent. Certaines autres sont érigées par différents événements qui peuvent arriver. Mais cela prend du temps. Et pour d'autres personnes, c'est immédiat. Je pense aussi à ce pasteur qui fait un témoignage extraordinaire, qui dit qu'il a découvert Jésus-Christ après 7 années de pastorat. Il a rencontré Jésus-Christ après 7 années de pastorat. Donc, l'esprit, plus on lui ouvrira la porte, moins on le restreindra à un type d'action, à un type de résultat, plus il pourra agir en nous et au travers de nous. Et puis, n'oublions pas la parabole du semeur ou des 4 terrains. Hein, ça dépend l'angle de vue que l'on choisit. Je crois que toute action menée par l'Église ou tout témoignage, en fait, s'apparente justement à ce que fait le semeur lorsqu'il ensemence son champ. Et il faut savoir que la graine ne lève pas tout de suite. Et puis, il y a des graines qui tombent sur des terrains totalement hostiles. Donc, il y a les pierres, les ronces, le chemin sur lequel les oiseaux vont picorer. Quoi. Et puis, même Jésus n'a pas eu de bons résultats avec tout le monde. Exactement. Voilà, exactement. Donc, tout dépend où tombe la semence. Et puis, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle produise tout de suite du fruit. Il y a un certain temps et parfois, ça prend longtemps. Aussi. Avec la parabole du semeur, j'aime bien toujours aussi dire que si vous êtes jardinier et que vous avez un terrain pierreux ou avec des ronces, vous ne vous contentez pas de semer en disant « bah mince, ça ne pousse pas ». Vous enlevez les pierres, vous enlevez les ronces et vous travaillez à faire de votre terrain difficile un bon terrain. Et parfois, dans nos actions de témoignage, dans ce qu'on met en place avec les autres, on est un peu déçu parce qu'on a semé, mais ça ne pousse pas. Mais peut-être qu'on a oublié qu'avec l'aide du Saint-Esprit, que c'est le travail du Saint-Esprit, on a enlevé une pierre. C'est toujours une pierre de moins. Ça veut dire que le terrain est un peu plus favorable qu'avant. Et c'est déjà un travail énorme. Parce que pierre après pierre, un peu comme ce que tu disais, des années de réflexion, des pierre années. Après pierre qui s'en vont, ronce après ronce, jusqu'au moment où le terrain était prêt pour que quand ça a été semé, à ce moment-là, ça a pris. Or, on est poétique aujourd'hui. Hein. Il faut de temps en temps. Soyez poétique, ça fait du bien de temps en temps. Alors justement, Jethro, tu en as donné une pour toi personnellement, dans ta vie de foi, mais tous les deux, est-ce que vous avez comme ça des... Parce que là, on parle un peu théorique, on parle des grandes lignes, mais dans votre vie à vous, vous êtes croyant, vous êtes pasteur, vous impliquez pour ce témoignage ? Vous avez vécu des choses, vous avez vu le Saint-Esprit à l'œuvre vraiment ? Alors c'est vrai, on peut parler de soi-même, Jethro, tu l'as déjà fait. Hein. Pourquoi pas ? Ça arrive. C'est ce qu'on connaît mieux, non ? Bon, oui, on est censé se connaître un petit peu. C'est vrai que, bon, moi je dirais dans ma propre vie, j'ai pu voir l'action du Saint-Esprit dans la manière dont il m'a aidé à m'adapter à des situations difficiles. Et à surmonter les obstacles, hein. Je n'ai pas le temps de les mentionner, mais ils sont nombreux. et si je suis là, je le dois au Saint-Esprit qui effectivement a accompli son œuvre. Mais aussi en tant que pasteur, j'ai la chance d'accompagner des individus, des couples, hein, puisque je suis au département de la famille, et des familles, donc des jeunes, des parents. Et ma plus belle joie, c'est de les voir passer de la souffrance, hein, liée à l'incompréhension, liée au malentendu, liée au conflit, liée à l'interdit, etc. Parfois des situations dramatiques et très lourdes. Donc de les voir passer de la souffrance, finalement, au soulagement et puis à la délivrance. Mmh. Et je sais que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, je sais. Parce que bon, ça se vit aussi avec et dans la prière. Et avec l'espoir que Dieu va pouvoir agir dans la plupart des cas. Hein. Il y a aussi des gens qui ne sont pas forcément croyants comme nous le sommes. Mais en tout cas, je sais que même dans ce cas-là, l'Esprit agit. Et je pourrais en citer des exemples, mais bon, le temps me manque. C'est toujours vraiment une très grande joie. Et je peux te dire, pour avoir été témoin de l'action du Saint-Esprit, il est bien là. Ah oui, oui. Je partage complètement ton point de vue, ton partage d'expérience.
ce que j'aime le mieux dans mon cas personnel, donc, c'est toutes les fois où je me comporte en Jonas et le Saint-Esprit agit quand même. Parce qu'il y a des moments, je ne sais pas si vous avez connu ça, chers collègues pasteurs, mais il y a des moments où en termes de prédication, il y a des moments où on est bon, où on sent, on est impliqué, on est dedans et on... Parfois, ma semaine d'août, je me dis, est-ce que les gens ont été convaincus par l'Esprit de Dieu ou est-ce que j'ai été bon? Mais il y a des fois où on est mauvais, et il y a des fois où je suis mauvais, ou même je suis complètement ailleurs, et il y a des fois où je me dis, qu'est-ce que je fais là? Et puis quelqu'un vient te voir et puis te dit, bah, ce jour-là, tu as dit ceci et tu m'as accompagné à telle période, toi, tu ne te souviens même pas que tu l'as fait, mais l'Esprit de Dieu t'a utilisé presque à l'insu de ton plein gré, comme disait l'autre. Et les résultats sont extraordinaires, complètement au-delà de ce que toi tu as vécu, de ton intention et de ta spiritualité propre du moment. Et de la même manière que je peux dire que l'Esprit de Dieu a parlé aux Ninivites, et c'était pas Jonas, c'était pas le charisme de Jonas, c'était l'Esprit de Dieu. Lui, il mangeait les pop-corns avant que le feu descende du ciel. De la même manière, je sais que l'Esprit a agi avec puissance, indépendamment de ma propre médiocrité, et gloire à Dieu. Moi, je trouve ça très très beau de me dire, ben, on peut même être quelque part, se sentir et être un peu à côté de la plaque, ça n'empêche pas Dieu de faire son travail au travers de nous, que son nom soit loué. On peut être des instruments rouillés entre ses mains, et pourtant le travail est fait. C'est vrai. Alors, on a parlé depuis le début de cette étude ensemble, du Saint-Esprit, de ce qu'il est capable de faire. Vous nous avez donné des témoignages de belles choses qui se sont passées avec son action. Laissez-moi vous poser une question où on met un peu les pieds dans le plat et on les agite. Vous êtes prêts? Tout va bien? C'est une question qu'on me pose beaucoup en tant que pasteur. Je suis sûre qu'on vous la pose aussi. Est-ce que l'Église adventiste a un problème avec le Saint-Esprit? On est très frileux pour parler de lui, c'est très rare que publiquement on prie le Saint-Esprit, d'autres confessions chrétiennes le font beaucoup plus simplement. Est-ce que l'Église adventiste a un problème avec le Saint-Esprit ? Je dirais que l'Église adventiste a un problème, que je dirais compréhensible d'ailleurs, avec une certaine représentation et du Saint-Esprit et des manifestations du Saint-Esprit. Alors, pour faire une version très courte, il y a un certain nombre d'églises chrétiennes, il y en a beaucoup de dénominations, elles sont toutes un petit peu en compétition. Il y en a certaines qui cherchent évidemment, ça peut nous arriver à nous aussi, de vouloir se démarquer des autres et voilà, affirmer, avoir le véritable message pour la bonne époque et le véritable esprit de Dieu. Bon. Et une certaine frange du christianisme a décrété que les manifestations de l'esprit, ça devait se produire de telle ou telle manière, et que ceux qui ne, finalement, comment est-ce qu'on dit en français, ne s'inscrivaient pas dans ces manifestations, n'avaient pas le Saint-Esprit, n'étaient pas de vrais chrétiens. Et donc, je pense notamment à toutes les branches un peu charismatiques, un peu exclusives, à des formes extrêmes du pentecôtisme. Oui, je crois qu'il... Pour ma part, je me sens moyennement en confiance avec ces personnels, hein, et c'est pas un jugement de personne. Mais je ne crois pas qu'il soit nécessaire de parler des langues incompréhensibles, je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'avoir des exclamations extraordinaires, des manifestations physiques intenses et psycho-émotionnelles intenses pour que le Saint-Esprit agisse. Je n'exclus pas qu'il puisse le faire, pourquoi pas? Il est libre, il fait ce qu'il veut, et il y a des moments d'émotion très beaux et très forts dans la vie spirituelle, heureusement, ça n'est pas que cérébral, mais pourquoi ne pourrait-il pas également travailler dans une forme d'étude de la Bible, d'inspiration, et puis s'adapter aussi aux différentes personnes? Donc oui, je crois qu'on a peut-être un problème avec certaines manifestations du Saint-Esprit, certainement pas avec le Saint-Esprit, qui a inspiré notamment Ellen White, qui nous inspirait indirectement, je veux dire, jusqu'à nos jours, par ses écrits. Ceci dit, on en parle dans le contexte de ce qu'on appelle le réveil et la réforme. Bon, c'est quelque chose qu'on entend depuis longtemps d'ailleurs. Hein. Ça a toujours été, un leitmotiv chez nous, dans l'Église adventiste en général. Alors, on parle de l'esprit comme étant le moteur justement du réveil spirituel, comme étant l'agent de la réforme qui peut se produire dans la vie d'un individu. On parlait de transformation, on parlait de l'action du Saint-Esprit. Je pense qu'on y croit de cette manière-là. Par contre, on n'attend pas de manifestation surnaturelle. C'est pas vraiment, c'est pas l'emphase. On en a parlé au tout début. Dans d'autres milieux, on va demander au Saint-Esprit de se montrer lui-même.
de dire, de nous dire qu'il est présent, de nous prouver qu'il est présent. Tu le disais à ta façon, hein, par des délivrances, par des guérisons, en faisant pousser une jambe, en soulageant une souffrance immédiatement, etc. Ou en s'exprimant par un parler en langue inintelligible pour la plupart des gens. Donc, c'est pas ce qu'on recherche. En même temps, tu as dit, est-ce que il nous arrive de le prier ou pas? Dans certains de nos chants, on s'adresse au Saint-Esprit. Tout à fait. Dans certains de nos chants, d'ailleurs, qui sont inspirés du pentecôtisme. Mm-hmm. Plus ou moins. Pas tous, hein, dans le recueil des louanges, il me semble qu'il y en a aussi un qui parle du Saint-Esprit. Tout à fait. Comme on lui parlerait dans une prière. Maintenant, si, et c'est le cas, on considère le Saint-Esprit comme une personne, c'est vrai qu'il n'est pas gênant de lui parler en soi. Mais ce qu'il y a, et ça il faut le reconnaître, on n'a pas de modélisation biblique. Je cherche à grand peine une prière au Saint-Esprit dans les Écritures. Hein. Et nous disons, les Écritures sont pour nous un critère, une norme, sont le filtre quoi, par lequel nous éprouvons toutes choses. Donc, à part peut-être le moment où le prophète Ézéchiel est invité à parler à l'Esprit pour qu'il redonne vie aux ossements desséchés. Ézéchiel 37. Hein. Voilà, Ézéchiel 37, dans cette vallée perdue. À part à ce moment-là, je n'ai jamais rencontré, ni dans les évangiles, Jésus s'adressant directement au Saint-Esprit. Il le reçoit, le Saint-Esprit agit par lui, en lui, mais il ne lui parle pas. Donc ce qui fait qu'il y a cette hésitation. Je pense qu'il faut se donner une marge de tolérance et de liberté à ce niveau-là, entre ceux qui vont volontiers parler au Saint-Esprit, ça ne me choque pas personnellement, ça ne me dérange pas plus que cela, et ceux qui se retiennent ou ceux qui sont plus réservés sur la question, parce que bon, ils se sentent pas tout à fait à l'aise avec cette expression-là de la spiritualité personnelle. Ce n'est pas très grave. Ça me rappelle, je suis légèrement hors sujet, mais ça me rappelle une petite dame que j'ai visitée alors que je faisais du porte-à-porte en Normandie, et elle me disait oui, je suis croyante et je prie la Vierge Marie. Alors je lui dis bon, très bien. Parce qu'on ne rentre pas dans les croyances des gens, on respecte les croyances des gens. Et est-ce que vous priez Dieu aussi? Ah non, je ne prie pas Dieu, non, Jésus, non, le Saint-Esprit, non, surtout pas, je ne prie que la Vierge Marie. Alors sur le moment, évidemment, j'étais en théologie, donc évidemment, je voyais un petit peu le paradoxe, la contradiction. Et puis, avec le long terme, je ne dis pas qu'il faut prier la Vierge Marie, mais peut-être que Dieu peut entendre la sincérité d'un cœur à défaut d'avoir la bonne modalité d'expression, la juste doctrine verbale, orale. Peut-être qu'il peut regarder la sincérité de cœur. Et si certaines personnes préfèrent prier Jésus ou préfèrent prier Dieu le Père, ne sont pas à l'aise de prier Jésus, enfin, je crois que Dieu regarde au-delà de tout ça. Ensuite, charge à chacun de creuser la Bible et effectivement d'approfondir sa compréhension de ce que Dieu révèle sur lui-même au travers des trois personnes de la Trinité. C'est un domaine de recherche, hein, je pense qu'on c'est a pas fait le tour. C'est un domaine d'investigation, oui. J'ai une dernière question que je voudrais vous poser. Alors, on va dire qu'elle est presque personnelle, parce que je suis dans ce cas. L'étude donc, de la semaine... Et on en a parlé aussi de la transformation des cœurs par le Saint-Esprit, de ces gens qui ont une vie d'une certaine façon complètement et qui, en rencontrant Dieu, lancent un processus et par le Saint-Esprit sont transformés. On a des récits de conversion comme celle de Paul qui sont incroyables dans la Bible. Mais et les personnes qui sont nées dans une famille où on connaît déjà Dieu? On a la foi, je prends l'exemple pour moi, hein, c'est mon cas aussi. Mathieu aussi, tous les trois, on est nés dans des familles qui croyaient. Est-ce qu'on passe à côté de quelque chose par rapport à ce rapport à la transformation par le Saint-Esprit? De temps en temps, on entend des jeunes dire « J'aimerais presque aller dans le monde, vivre ma vie à fond pour avoir au moins la sensation que le Saint-Esprit me transforme. » Ça change vraiment. Je crois que personne ne naît en connaissant Dieu. On peut naître dans une famille de croyants, on peut naître dans une famille religieuse, dans une famille pratiquante, mais on ne naît pas en connaissant Dieu. On peut apprendre à connaître Dieu au travers d'un style de vie familiale, au travers d'une qualité spirituelle dans la famille. On peut en filigrane approcher la personne de Dieu et la famille peut être un facilitateur de la rencontre.
Et la famille peut être également un obstacle, un gros obstacle. Je sais qu'il y a des femmes, notamment à qui j'ai parlé, qui ont beaucoup de mal, certainement vous aussi, à appeler Dieu mon père, parce qu'elles ont eu des expériences avec des pères maltraitants ou des pères abuseurs. Et l'image du père est complètement détériorée à vie pour ces personnes. Donc la famille peut être un obstacle. Mais quand bien même on est né dans une famille qui a une culture religieuse, qu'il y a, par la force des choses, je veux dire par la sociologie même de la religion, beaucoup de choses à détricoter. Il y a un tri à faire dans l'héritage, il y a un parcours spirituel peut-être encore plus difficile. Moi, je suis né dans une famille effectivement adventiste, mais je n'étais pas croyant. Mm-hmm. C'est à l'âge de 20 ans que je suis devenu croyant. Et j'ai quitté l'église à l'âge de 11 ans. Mm-hmm. Aussitôt que j'ai pu ne plus aller à l'église, je m'en suis débarrassé et j'ai fait mon propre cheminement. Donc, ça a été plus facile à la limite de découvrir Dieu. Parce que quand vous êtes à l'intérieur du moule et que le moule vous envoie sans cesse une forme de gratification en vous disant « c'est bien, tu es dans le moule, tu es un petit jeune prometteur, on va même te mettre une prédication, c'est presque l'honneur suprême de prêcher ou d'être diacre ou de ramasser les offrandes », quelque part ça ne vous aide pas à prendre la distance qui vous permettra d'avoir votre expérience propre avec Dieu. Mm-hmm. C'est un petit peu comme si, pour terminer, c'est un petit peu comme si on vous a promis dès l'enfance, vous n'étiez même pas né quand vous avez promis en mariage à une autre famille. Et donc, vous grandissez, vous voyez votre promise ou votre promis grandir avec vous, et ça semble évident, vous serez marié un jour. C'est presque un obstacle au fait de réellement vous découvrir, de réellement tomber amoureux, de réellement construire un projet, non pas à deux branches, mais à trois fils, progresser avec Dieu, si j'ose dire. Donc, il y a moyen d'avoir une expérience spirituelle très profonde tout en étant né, mais ça demande de prendre un certain recul, de prendre la distance qu'il faut et de faire le tri dans l'héritage familial et religieux qu'on a. Oui. Et puis, il y a plusieurs modèles possibles de conversion. Hein. Mm-hmm. Effectivement, la conversion passe toujours par un média, on va dire. On rencontre quelqu'un, on découvre quelque chose, on expérimente une transformation, on a tout d'un coup une illumination. Enfin, les gens témoignent de la manière dont Dieu s'est révélé à eux. Et tantôt c'est violent, c'est brutal, c'est le modèle paulinien, l'apôtre Paul. Et tantôt ça se fait tout en douceur, petit à petit, au cours des années. Alors voilà, je prends deux extrêmes, hein. Je caricature. Mais c'est le modèle de Timothée. Et pourtant, ces deux-là vont collaborer. Paul va prendre Timothée sous son aile, va le former, etc., dire beaucoup de bien de lui. Mais Timothée a grandi auprès d'une mère, d'une grand-mère croyante, qui ont partagé leur héritage de foi avec ce jeune homme. On a Samuel, on a d'autres. Je suis désolée, je dois te couper parce que le temps passe trop vite, mais il faut qu'on finisse. Mais je pense qu'on a eu l'idée de ce que tu voulais dire. Il y a plusieurs formes de conversion. Et si on résume un peu tout ce que vous avez dit l'un et l'autre, c'est pas parce que ce n'est pas spectaculaire de l'extérieur que ce n'est pas un changement profond de l'intérieur. Bien sûr, c'est une réelle transformation et une réelle conversion. Merci beaucoup vraiment à tous les deux pour tous les enrichissements que vous nous avez emmenés. J'espère que pour vous ça a été aussi enrichissant. On ne peut que vous inviter à vivre des choses fortes avec le Saint-Esprit pour pouvoir témoigner, pour pouvoir partager, mais surtout pour pouvoir grandir vous-même. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt.